L'ingrat fait exprès. L'ingrat fait exprès. Et nous disons à tout le monde de rester calme. Après la tempête, il y a le beau temps. Vous savez, quand Shaitan aveugle quelqu'un, il ne voit pas les bonnes choses. Donc, laissons ces gens-là. Sinon, c'est très simple. Première dame de qui? Première dame de qui? Donc, ils veulent nous dire que la première dame était veuve, était sans mari, elle était divorcée. Vous voyez, c'est des gens, ils sont tourmentés. Moi, je vous ai dit, Mamadi, la haine qui est en lui aujourd'hui, le fait d'avoir trahi, le fait de chercher à se faire aimer, quand je vois dans des médias, quand je vois dans des médias, que Mamadi s'est occupé de la première dame avant même le coup d'État. Eh Allah. Eh Allah. Eh. Non mais l'homme, l'ingrat fait exprès. Hein? Mais l'ingrat fait exprès. C'est incroyable. Mamadi, qui a fait Mamadi? Qui a fait Mamadi? Mamadi était quoi? Nifisri l'homme Balia Kante. Directeur Mamadi est Kounou. Mamadi très Europe. Directeur Mamadi. Directeur Mamadi qui est force spéciale. Mamadi a fait quoi? Directeur Mamadi qui est. C'est ça. Vous voyez l'ingrat. L'ingrat essaye de se montrer que lui, il a été reconnaissant. Il a fait ça. Il a fait ça. Ah, vous voyez maintenant. Vous voyez que la reconnaissance, c'est que l'ingrat, il veut montrer aux gens que lui, il s'est occupé. Oublions les comptes gelés, tout ça là. Le coup d'État, oublions tout ça. Mais l'ingrat aujourd'hui, les proches de l'ingrat, ils font savoir que non, l'ingrat s'est occupé de la première dame. Ah, l'ingrat. Mais l'ingrat, qui a fait de toi quelqu'un, l'ingrat? L'ingrat, qui a fait de toi le pouvoir là? C'est de ça qu'il s'agit, l'ingrat. Quand toi tu dis que non, tu t'es occupé de la. Vous dites même première dame de qui? Quand vous dites première dame de qui? Première dame de qui? Moi j'aime tout ce que vous êtes en train de dire. Vous vous êtes occupé, vous avez fait ça. Ok. D'accord. Qui a fait de vous quelqu'un? Qui a nommé Mamadi? Commandant des forces spéciales. Qui a nommé Mamadi commandant des forces spéciales? Qui a créé les forces spéciales? Qui les a habillées? L'ingrat, rappelle-toi de ça, l'ingrat. L'ingrat, tu dois te rappeler de ça. Qui a créé les forces spéciales? Qui a fait le décret nommé Mamadi Doumbouya? Quand l'ingrat vient parler de futilité, l'ingrat, quand tu dis premier ministre, l'ingrat. Quand tu dis première dame, l'ingrat, première dame de qui l'ingrat? On dit l'ingrat n'a pas honte. Hein? On dit les ingrats vraiment. L'ingrat, on te pose la question. Qui a fait de toi, Mamadi? Tu étais flanqué en Europe. Tu étais dans la Légion. L'ingrat. Tu as pu faire quoi pour toi-même, l'ingrat? En tant que légionnaire, l'ingrat, tu as pu faire quoi pour toi? Non, il faut nous dire. C'est-à-dire, c'est du jamais vu ce pays-là. C'est-à-dire, pays de la démagogie, quoi. Et tu vois des médias, Mamadi s'est occupé de Ndiaye. On gèle les comptes de son mari. On l'envoie à Dubaï. Bien avant le coup d'État. Vous, les journalistes, vous étiez là. Lorsqu'on demandait la première dame, le président Fakonde avait dit devant tout le monde, publiquement, la première dame était hors du pays pour des soins médicaux. Mais vous ne parlez pas de ça. Pendant ce temps-là, avant le coup d'État, lorsque la première dame était en traitement, qui payait les frais de la première dame? Mais l'ingrat fait toujours exprès. L'ingrat fait toujours exprès.
Mais vous savez une chose, nous nous sommes à l'aise. Dans chaque chose, il y a deux cas. Ce que vous avez fait, ça nous arrange. On avait organisé, ça nous arrange. Vous avez organisé, ça nous arrange. Le gros perdant, c'est vous. Le peuple conscient. Créant, je ne dis pas païen. Je ne dis pas païen comme Bogola Abba. Je ne parle pas d'eux. Je parle de ceux qui se marient. Des vrais croyants. Mais je ne parle pas des païens. Cette situation-là, ça dépasse même la Guinée. Parce qu'on a vu des panafricains en train de parler. Des imams parler. Vous n'avez pas rabaissé quelqu'un. Vous avez montré que vous avez la force. C'est tout ce que vous avez fait. Mais dans le cœur des gens, ce qui reste, c'est la vérité. Vous avez vu les obsèques? C'est incroyable. Le communiqué donné, on dit les quartiers qui sont convoqués pour les obsèques, sur l'instruction du maire de Matoto, les quartiers suivants, Bessia 1, Bessia Cité 2, Bessia Cité 3, Bessia École, Bessia Cité de l'air, Bessia Centre, Bessia Port 1, Bessia Port 2, Béazin, Tanène Mosquée, Tanène Marché, Yimbaya Port. Tous ces responsables religieux, communaux, c'est-à-dire ils étaient tous convoqués juste pour avoir de la masse. Et obligatoire, ils doivent se présenter. Mamadou Doumbouya, il m'a que moi, laïka qui est là. Convoquer ces gens-là par force, venez. Mamadi, tu n'as pas vu hier, à l'aéroport, c'était les militaires. Vos membres de gouvernement. Si c'était vraiment le corps d'une première dame, des ovations, ça allait être partout. C'est tout le peuple qui allait sortir. Mais Mamadi, tu penses que tu es fort, tu es zéro, Mamadi Doumbouya. Aujourd'hui, toi-même, tu as mal. Mamadi Mbarafounyene, il a bas en ciné, tous ceux qui parlent là, Mama Falata, on le fait par peur. Les gens le font par peur. Sinon, tu n'es rien. Tu es zéro. Tu es zéro. Au fond de tout le monde, les gens ont peur seulement de leur tête. Les gens ont peur de leur tête. Il y a trois groupes toujours. Des gens comme nous là, on ne cache pas pour nous. On dit pour nous, tac, direct. Et il y a des gens qui aiment profiter. Tout pouvoir qui vient, ils profitent. Et il y a des gens, ils ont... C'est qu'au fond de... Ils voient le mal, mais ils ont peur de s'exprimer. Ils gardent le silence. Donc, maman dit, dis-toi que moi, si tu fais aujourd'hui, tout ce que tu pouvais faire, c'était de convoquer, de dire aux maires, de dire aux religieux, de venir, de dire aux responsables, aux membres du gouvernement, de se présenter, comme pour dire, oui, on a fait honneur. Maman dit, non. Tu as échoué. Maman dit, tu as échoué. Tu as échoué. Tchétio. Mais Agnewama seulement. C'est là que tu vas comprendre que, ah, si tu savais. La petite, son comportement, c'est connu de tous. Même toi, maman dit, tu es passé là-bas. La petite, là, tu es passé, maman dit. Vous fumez ensemble, maman dit, Doumbouya. Tu fumais avec la fille. Ta copine. Voilà. Donc ta copine, à l'époque, tu fumais avec Nyalé. Donc qu'est-ce que toi tu vas venir dire devant les Guinéens, Mamadi? Tu as connu. Tu as connu. Qu'est-ce que tu vas dire? Mamadi, ton comportement est connu. La fille, son comportement est connu. Aujourd'hui, peut-être tu as la force. Mais il te fausse le cœur. Tu ne vas rien faire qui va surprendre quelqu'un. Parce que fils Rilom Bali l'y dit. Parce que tu es l'ingrat pro max, Mamadi Doumbouya. Tu es l'ingrat pro max. Tous ceux qui parlent aujourd'hui, Mamadi, tu es occupé. Toi, tu es qui pour t'occuper de la première dame avant le 5 septembre? Toi, tu étais qui pour t'occuper de la première dame? Si ce n'est pas de la démagogie, tous ceux qui parlent,
Si ce n'est pas de la démagogie, toi tu peux... Ah non, mais à mon avis, c'est banal quoi. Qui t'a donné l'Andrea? Où tu étais flanqué à l'Andrea, à la maison? Qui t'a donné ça? Si ce n'est pas le président Fakonde. Et l'ingrat fait exprès, Mamadi. Si ce n'est pas de l'ingratitude, toi, ta maison où tu dormais à l'Andrea, qui t'a donné? Qui te l'a donné, Mamadi? Si ce n'est pas de l'ingratitude. Et tu entends des griots venir s'asseoir. Mamadi s'est occupé de la première dame avant le coup d'état. Manamanakan. Al-Katiano, mais Anyewa Matou. Nkwa Al-Katiano, Anyewa Matou. Les gens sont convaincus. Et là-bas, tu vois maintenant, Yokorongo Silalu, tu vas voir des gens. Est-ce que mon pouvoir, Mamadi, tu vas mal finir. Tu vas mal finir. Tes clamours, ils te l'ont déjà dit. Fisri l'homme bali sara, oui à la boro. Fisri l'homme bali sara, oui à la boro. Fisri l'homme bali, asara et à la boro. Blaise Kombaoré, Thomas Sankara, Amena Nyanyaka, Blaise où aujourd'hui? Ika koko ke, aujourd'hui, Kofankaïla, les gens cherchent à manger ou à garder leur poste. Parce que quand tu dis quelque chose, on t'enlève. Sinon, foitié, Mamadi, foitié. Toi, t'as une intérêt. Fouille, même Allah Lou Kankan. Mamadi était capable de quelque chose. Allah Lou Kankan. C'est maintenant. Aliakaka Lada. Toi, tu étais capable de quoi? Ni fils de l'homme baliate. Tu es venu. Bon, voici des. Je crois que j'ai même les photos ici. C'est-à-dire, les ingrats, ils font par exprès quoi. Ingrats. Non, 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 non. Ini fisri lom bali kana kolade. Ini fisri lom bali. Ali dwa uke ala ake fisri lom bali kamata ila. Fisri lom bali. Non, 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 non. Ini fisri lom bali kako fos le lade. Toi, Mamadi, yen na la wati mina i jolan jolan. C'est toi, Mamadi, ça. Ça, c'est le gouvernement du président Fakonde. C'est pas le gouvernement de l'Ansana Kontede. I jolan jolan terei. Te voici. À côté du chef d'état-major, feu que les dialopés à son âme. Il est l'été. Voici le cerveau du coup d'état. Adam Mafene. Adam Mafene. Idi Amin Mafene. Regarde Idi Amin ici. Toi, te voici ici. Il m'a fait Mouami qui l'a dedans. Qui l'attend pour faire des formations. D'officier. La Guinée-Cachemane est très. Tu n'étais rien. Par la complicité de crâne rasé. Ni fils de l'homme balitilé. L'effort spécial n'existait pas. Celui qui l'a créé, le président Fakonde. Ni fils de l'homme baliaté. Que toi tu t'occupais de la première dame. Qu'avant le coup d'état. Toi tu étais qui? Ton salaire c'est combien? Ton salaire était combien? Fils de l'homme baliaka, oui. Toi ton salaire c'était combien, Mamadi Doumbouya? Toi tu pouvais t'occuper de la première dame avant le coup d'état. Toi ton salaire était combien? Non mais, non. Ce pays-là, qu'Allah nous aide, hein? Qu'Allah nous aide. C'est-à-dire, il y a tellement d'hypocrites, de démagogues. Tu fais le coup d'état, tu gèles le compte de la dame. Tu mets la fondation sur la liste de la CRIEF. Ça, c'est le président Fakonde qui a fait ça. Sa fille mal élevée, là. Elle a sa maison aujourd'hui, en France. Grâce au pouvoir du président Fakonde. Je ne vais pas toucher votre papa. Parce que ta soeur Sarah et ton frère n'ont rien à voir dedans. Ni fils de l'homme baliaté. Non, c'est incroyable. Non, elle te maloyala dit. Elle te maloyala fait. Vous avez déjà fait, non? Vous avez forcé les gens. Venez, vous allez les chefs de quartier, ainsi de suite, faire une liste. C'est bien. Mais au Tenakela, Allah doit où obèse et roulé. Me fournissent la mayaka, me faut. Parce que vous ne l'avez pas enterré comme chrétienne. Vous l'avez fait comme dit l'islam. Comme dit l'islam. Et tiens. A quel dîner? Eh non, Albra Mousso, Mousso Soukouke, Asouyadoué. Eh, Albra Mousso Toro. Vous avez fatigué la dame. Eh, Albra Mousso Toro. Mousso Dolué, il y a des femmes divorcées. Elles prient avoir un mari seulement le titre de mari. Attaque la fin coco son occupation.
Ce n'est pas à cause de ça. Adja Djenné, rien ne l'a manqué. Aïe Fogbansako, à très tchèkou, à brassa. Mousso bé ou le doua ou nina. Mousso bé ou le nina. Mais qui n'est flanqué. Vous, venez dire. Et moi, Mitre Massaye. Celui qui était président de la République. Occupation Greye. La dame qui a des gardes. Sécurité. Elle attira la traitement lequel. Vous, vous allez parler de. C'est-à-dire que le président Alpha Condé s'occupait de la personne. La première dame. Elle a un budget presque de fonctionnement. Budget très moi, Fouitaburo, c'est 1 milliard de francs guinéens, presque. Naloukini ici au Robi, pour dire que, est-ce que le président s'occupait? Eh non. Ah, l'ingratitude. Ah, les ingrats. Alama Alohan Kirima Farina. Hein? Alama Alohan Kirima Farina. En tout cas, ça c'est vrai. Non, c'est dommage. Hein. C'est dommage. L'on crée. Vous n'avez jamais dit ici. Coron ne fait rien pour la première dame. Arrêtez de m'appeler, je suis en direct. Non, mais c'est dommage. Ils sont en train de détruire ce pays-là. Détruire ce pays. Sanasa, la Ligue islamique, c'est pas la Ligue islamique qui est en train de menacer l'imam de Kankan. On a tous accusé l'imam Salifou. L'imam Salifou s'est dédouané. Voilà, voici un manjou que le président Alpha Condé a empêché des gens de prier sur le corps. C'est-à-dire, c'est vos mentalités bidons là. Continuez. Moi, je vous ai dit, je ne suis pas pressé. Vous me connaissez très bien. Wallahi, vous faites semblant, vous me connaissez. Vous savez qui est le général. Quand je commence quelque chose, je n'arrête pas. Continuez. Moi, je ne suis pas pressé d'abord. Je ne suis même pas encore pressé. Continuez encore. Parlez. Je ne suis pas pressé. Vous me connaissez. Moi, j'ai tout ici. Je garde tout. Je sais quand parler. Continuez. Wallahi, je vais vous donner insomnie ici. Je ne suis pas pressé. Doumbouya, lui, il va partir. Mais je ne suis pas encore pressé pour vous. C'est-à-dire, c'est vous qui dites que oui, on nous a victimisation. Oui, on nous a fait ça, nanani, nanana, c'est bien. Rien n'est éternel. Vous ne comprenez pas, vous me connaissez. Vous faites semblant. Vous me connaissez très bien. Allons-y seulement. Vous êtes victime de quelque chose. Vous ne voulez pas combattre cela. C'est pour dire, oh, c'est bien fait. Anao Tagui, c'est rentré. Awa, il a tout fait nous falloir en erreur. Awa, tu vas sentir. Les autres aussi, c'est comme ça la vie. Vous allez sentir. Hier, quand il y a eu le coup d'état, là, au moment que les autres étaient en train de pleurer, d'autres étaient en train de danser. Le sauveur. Qui dit aujourd'hui le sauveur? Qui dit Mamadi Doumbouya le sauveur aujourd'hui? Mamadi Doumbouya partait prier à Bambeto. Vous parlez. Je vous ai dit, s'il vous plaît, ne me poussez pas à parler. Je vous ai dit, laissez le général tranquille. Parce que je vous ai dit, je ne vais pas faire plaisir à ces bandits. Parce que quand on va s'attaquer entre nous, ça, c'est ce qu'ils veulent. C'est ça leur souhait. C'est tout ce qu'ils veulent. Mais si vous ne voulez pas garder certaines bêtises, vous allez venir ici. Moi, je vous ai dit, go, arrivez à un moment donné, quand ça déborde là, là, on va essayer de vous mettre. Tout le monde a dit la vérité ici. Même les Tidianes qui étaient opposés au président Alpha Condé. Même ceux qui étaient opposés, ils ont dit. Mais si vous, les ignorants là, qui venez ici là, vous mettez des commentaires bidons, continuez. Si vous ne voulez plus dormir là, ou bien vous voulez laisser Facebook complètement. Moi, je ne suis pas sur TikTok. C'est Facebook. Si vous voulez oublier Facebook, alors venez. Vous voyez un bandit qui est là aujourd'hui, un narco qui est là aujourd'hui. Le pays ne fait que régresser. C'est le président Alpha Condé. Vous avez oublié la fermeture des frontières. Quels sont ceux qui étaient? Qui était le ministre de la Défense? Docteur Diané, il est où aujourd'hui? En prison.
Qui était le chef d'état-major des forces armées? Qui était le directeur de cabinet? Qui était le commandant des forces spéciales? De Samoria, ainsi de suite. C'est pas ces gens-là qui dirigent aujourd'hui. Quels sont ceux qui prennent la décision de dire au président que le pays est menacé? Il faut fermer les frontières. Ce n'est pas eux qui dirigent aujourd'hui. À chaque fois, il y avait des manifestations. Le gouvernement du président Fakonde, ils avaient mis des caméras partout. Mais quand il y avait des morts d'hommes, à qui profitaient? C'est pas ceux qui font le coup d'État. Non, comme si vous n'avez pas compris la leçon là. Toujours, c'est le président Fakonde, votre malheur là. Continuez. Parce que le président Fakonde, lui, tendait la main à Ella Sélou Dalé, au Sidia, au dialogue. Donnez un budget de fonctionnement à Sélou Dalé. Vous n'avez pas compris cela. Mais ceux qui cherchaient toujours à rendre le pouvoir du président Fakonde, le diaboliser. Ok, comparez l'État maintenant. Oui, Mamadi Doumbouya, il a respecté Ella Sélou Dalé. Mamadi Doumbouya a respecté le FNDC. Il a respecté le FNDC, n'est-ce pas? Continuez vos bêtises. Continuez, hein? Ne changez pas. Ne combattez pas Mamadi Doumbouya. Hein? Restez là à raconter des salades. Président Fakonde. Même quand il y avait décès dans l'opposition, le président Fakonde se déplaçait. Ces bandits-là faisaient tout ici pour rendre le pouvoir là impopulaire. C'est le 5 septembre qu'ils ont réussi à faire le coup d'État. Depuis longtemps, ils étaient dans ça. Ils étaient avec le président Fakonde, ils ne l'ont jamais aimé. S'il y avait des morts, c'était eux qui cherchaient à tuer pour que le peuple se lève. Mais le peuple n'est jamais sorti. Ce sont eux qui se sont levés parce que l'affaire de drogue, ils allaient tous tomber, ils ont fait le coup d'État. Mais on vous parle chaque fois, vous ne comprenez pas. Au lieu de réfléchir, d'analyser la situation du pays, qu'est-ce qui a poussé le bandit à faire le coup d'État? Si c'était pour la démocratie, vous serez là aujourd'hui en train de parler de ça? Vous serez là aujourd'hui si c'était pour la démocratie? Ella Sélou Dalé serait hors du pays aujourd'hui si c'était pour la paix, le dialogue? Ella Sélou Dalé serait hors du pays aujourd'hui si Sidya Touré serait hors du pays aujourd'hui? Fonikè Mangue serait en prison aujourd'hui si les bandits là, leur coup d'État, c'était pour la démocratie? Bandit. Ne me poussez pas à mal parler. Hein. Ne vous ressaisissez pas. Hein. Continuez encore à suivre les mensonges d'hier. Ceux qui étaient là, diabolisés. Où sont les Guirassy aujourd'hui? Ils parlent ceci-là parle aujourd'hui. La vérité était devant vous. Mais on était là à diaboliser le président Fakonde, le rendre un criminel de tout. Ah, vous avez votre criminel maintenant. Quand l'acte sort, vous voyez ce qui se passe. Et vous voyez comment est la justice. On disait tout, non, le président Fakonde, non, c'était rentré, c'est sorti. Mais vous voyez aujourd'hui, au lieu de faire la part des choses, qu'est-ce qu'il faut? Au lieu de s'unir, au lieu de dire, comme le bandit même le disait, de ne pas répéter les erreurs du passé. Non. C'est pour venir dire, ouais, c'est bien fait, Ella Fakonde, il nous a fait ça. On dirait que ce n'est pas ces gens-là qui étaient autour du président Fakonde, les décisions militaires. Vous ne comprenez, jusqu'à présent, vous ne réfléchissez pas. Ou bien vous pensez que moi, Damaro, je ne pouvais pas venir ici m'attaquer à l'UFDG, attaquer aux gens le 5 septembre. Mais je vous ai dit quoi? Moi, je savais que le coup d'État, c'était l'affaire de drogue. Les Mamadi Doumbouya, ils étaient tous cités. Mamadi Kaba avait cité le nom de Doumbouya. Il avait cité le nom de Idi Amin. Vous ne parlez pas de ça. Et jusqu'à présent, vous n'êtes même pas, vous ne réfléchissez même pas. Qu'est-ce qui a poussé Mamadi Doumbouya à se rebeller contre Ella Sélou Dalé? Vous ne cherchez même pas à comprendre. Je vous ai dit, 3 mois après le coup d'État, j'étais déjà au courant de tout ça. Les Nafigi qui sont derrière Doumbouya, ce sont eux qui sont partis voir Mamadi Doumbouya, le groupe de Guirassy, pour dire qu'ils ont vu Ella Sélou Dalé quitter le domicile de Alia. Voici où tout a basculé pour Sélou Dalé. Dire que Ella Sélou Dalé est en train d'encourager Alia à faire un coup d'État. D'après eux, que Ella Sélou Dalé aurait dit que le pouvoir est malinqué, il ne va pas donner à quelqu'un d'autre. Que c'est lui l'homme fort. Voici pourquoi il s'est fâché pour faire sortir Ella Sélou Dalé. Au lieu de chercher à comprendre les choses, vous êtes assis. Sinon, Ella Sélou Dalé est sorti ici. Il a fait des tournées.
rentrer en Guinée, aller à l'investiture de Mamadi Doumbouya. Là, il n'y avait rien. Mais tout d'un coup, il s'est rebellé contre Ella Seloudane. Vous ne vous êtes pas posé la question. C'est qu'est-ce qui a mené ça? Qu'est-ce qui a fait que Alia, vous ne vous êtes pas posé la question? Mais je vous avais dit, si moi je parlais de ça il y a 3 mois, venir attaquer Ella Seloudane, venir attaquer, voilà, dire certaines choses, l'union des partis politiques, là, parce qu'ils ont tous compris aujourd'hui, Mamadi Doumbouya est un bandit, il n'est pas prêt à partir. Vous pensez que moi je suis comme vos blogueurs là? Parce que moi je suis comme vos communicants? Moi c'est l'intérêt dont je vois, général. Que Seloudane vienne demain au pouvoir, moi je m'en fous de ça. Et je dirais même c'est 10 000 fois mieux, 10 000 fois mieux que Doumbouya. Au moins c'est un civil. La communauté internationale, la Banque mondiale, les institutions financières, ils pourront venir en Guinée investir par rapport à ces bandits qui sont là, ces narcos qui sont là. Mais vous, non. Même pas le président Fakonde. Quand on dit RPG, il y a d'autres qui sont animés de haine. Continuez avec vos haines. Ne changez pas, hein. Ne faites pas de sacrifice pour la Guinée. Continuez. Parce que vous ne voulez pas changer. Beaucoup ont compris. Beaucoup ont compris la leçon. Mais il y a d'autres, toujours la haine. Gardez toujours. Tant que vous êtes animé de haine, vous ne verrez jamais le bonheur pour vous-même. Mais comparez les temps, je vous ai dit. Essayez de comparer les temps. Pensez que Mamadi est là. Mamadi est là pour son intérêt. Ils ont cité 10 points qu'en 24 mois. Les 10 points là. C'est ce que tu vas dire. Oui, sauf Ousmane. Que oui, de 2010-2020, 250 jeunes. Oui, je t'ai dit. Il y avait des caméras partout. Je vous ai dit, je vous ai mis en défi de me montrer une vidéo où un militaire est en train de tirer. Autant de Doumbouya, vous avez vu. Des gendarmes tirés. Moi, je vous ai mis en défi. Montrez-moi une vidéo où la police, la gendarmerie, au temps du président Alpha Condé, était impliquée. Le général Bafoué était sur le terrain avec des journalistes. On n'a jamais vu des images où la police, l'armée est impliquée. Autant de Doumbouya, vous avez vu. Des gendarmes qui tirent à balles réelles. Vous avez vu ça, des images. C'est pourquoi je vous disais au temps du président Alpha Condé. Cela, ce n'est pas maintenant. Le coup d'État, on ne décide pas un jour. Il y a longtemps, ils étaient sur ça. À chaque fois, il y avait des manifestations, qu'il y ait des morts d'hommes, pour que les gens détestent le pouvoir. Leur plan initial, c'était quoi? Qu'il y ait des soulèvements populaires. Fermeture des frontières, c'est eux qui poussaient le président Alpha Condé à fermer. Du côté d'où? Vers le Sénégal, c'est le Fouta. Qu'on veuille ou pas, c'est la base. C'est le fief de l'UFDG, comme la Haute-Guinée pour le RPG. Pour révolter les gens contre le pouvoir d'Alpha Condé. Mais il n'y a jamais eu de soulèvement populaire. Mais l'affaire de drogue qui allait les prendre tous, et c'est à partir de là qu'ils ont agi. Malgré vos appels avant. Ce n'est pas l'affaire de drogue là. Avant que le président ne voyage, Moussa Moïse, Barkafé, il ne parlait pas, les têtes vont tomber. Est-ce que les têtes sont tombées? Quand je vous dis souvent, réfléchissez, travaillez la tête. Au lieu d'être animé que de haine. Parce que la haine, je vous ai dit, c'est ça, c'est ce qui a été l'histoire de feu Ahmed Sékou Touré. Parce que les gens n'aiment pas dire, les gens sont tellement émotionnels. Non, on n'aime pas les peuls, on n'aime pas tel. C'est ça le problème. Même demain, d'autres vont dire Mamadi n'aime pas. Mais il y a les Ousmane Gawal qui sont là-bas. Il y a combien de peuls qui sont avec Mamadi? C'était ça le débat. On ne disait pas les victimes de l'UFDG, maintenant, les peuls, c'était ça. C'est-à-dire pour s'aimer plus de haine. Est-ce que c'est le pouvoir qui disait, c'est les peuls qu'on tuait? Car c'est des gens même qui se disaient, qui se victimisaient, qui parlaient de l'injustice, qui parlaient de peuls. Comment, pour des histoires politiques, on parle d'une ethnie? Et même dans le même gouvernement, il y a des peuls. Je vous ai dit, mon problème, c'était là-bas. Ce qui a amené la haine, là, c'est ceux, au lieu de parler des victimes de l'UFDG se sont mis à parler. Oui, c'est les peuls, ils n'aiment pas les peuls. Nanani, nanana. Parce que vous n'aimez pas la vérité. Vous n'aimez pas la vérité. C'est pourquoi, jusqu'à présent, on a de sérieux problèmes dans cette victimisation. Moi, je n'aurais pas de problème que des gens disent les victimes de l'UFDG. Là, je n'ai pas de problème. C'est un parti politique. Il y a les Kalemodou Yansané, il y a les Fodé Oussou. Il y a plusieurs personnes.
Il y a des forestiers, des malinqués, comme des sous-sous dans l'UFDG. Mais quand ils ont des victimes, qu'on nous dise des victimes de l'UFDG. Et non pas, ce n'était pas un conflit communautaire entre le pouvoir, un pouvoir malinqué et contre un pouvoir peul. Non. C'était un pouvoir en place, un PG arc-en-ciel. L'UFDG en a été opposé. Donc quand il y a des victimes, comment des responsables peuvent venir s'asseoir pour dire « Ah, c'est toujours les peuls, ah, ils sont contre les peuls. » Mais si ce n'est pas pour mettre la haine, même le peuple qui n'a rien à voir avec la politique, il va se sentir frustré. Il va dire qu'on est contre nous. Le peuple qui est hors de la Guinée, il va dire « On est contre ma communauté. » Mais si c'était les victimes de l'UFDG, si le combat était sur ça, peut-être que cette division qui est là n'allait pas arriver. Ce n'est pas le pouvoir qui a divisé. C'est ceux qui ont utilisé le terme ethnique. C'est-à-dire, peul, c'est eux qui ont divisé. Parce que c'est eux qui ont mis la haine. La haine est où? C'est la communauté. Vous avez victimisé. Et pourtant, c'était un combat politique. Mais quand même, changez. Changez. Et c'est pourquoi Doumbouya, vous avez vu Doumbouya, il n'est pas bête, hein. C'est ça. C'est pourquoi il a mis Bachir. C'est pourquoi il a mis Bachir à la tête de la sécurité. Là, quand il y a des victimes, vous n'allez pas dire les malinqués sont contre. Il fait sortir la police. Vous pensez qu'il est bête? Il n'est pas bête. C'est pourquoi il a mis. Et vous voyez, chaque fois qu'il y a des manifestations, ils appellent à l'armée, toute l'armée, de rentrer dans les camps. C'est pour vous dire une chose. Au temps du président Fakonde, c'était les mêmes, les Idi Amin et autres. Là. Tout le chaos, là, c'était eux. Ils ont compris. Vous avez vu maintenant, chaque fois qu'il y a manifestation, on appelle l'armée. On dit tous les militaires de rentrer dans les camps militaires. Parce qu'on ne dira pas, non, les militaires étaient... Donc, c'est un peu cela. Hein. Essayez de comprendre les choses. Quand on fait tout cet effort-là, on s'assoit ici. Voilà, on laisse le boulot, on s'assoit ici. Personne ne nous paye. Personne. Je vous dis bien, personne ne nous paye ici. Moi, je n'ai pas de compte YouTube. Voilà. Mais ma Guinée, d'abord, n'est pas monétisée. Donc, avant, vous allez dire, oh non, il fait des vidéos pour nanani, nanana. Moi, je ne suis plus à présenter. Voilà. Celui qui cherche à se faire voir ou bien des vues, non. Ce n'est pas le général 5 étoiles. Donc, essayez de changer un peu, les gars. La haine, là, gardez à un moment donné. Analyser la situation du pays. Donc, c'est ce que j'avais à dire. Merci à tout le monde. Donc, le combat continue. À bas ceux qui ne veulent pas comprendre, ça, c'est votre affaire. Mamadou Bari, pensez comme vous voulez. Parce que vous ne voulez pas changer. Pensez comme vous voulez. Si c'est ce qui vous arrange là, faites tout ce que vous voulez. Moi, je m'en fous. Ce que Dieu a décidé, c'est ce qui va se faire. Ce n'est pas ce que vous êtes en train de dire là. Juste pour s'aimer des messages de haine. Pensez comme vous voulez. Les conscients là, eux, ils vont s'associer pour le bien du pays. Pensez que c'est vos conneries là qui va changer la donne. Ici, j'ai bloqué des gens. Quand ils venaient attaquer, elle a celui d'aller ici. Je me suis déplacé ici. Aller à DC. Vous savez, ça fait combien de temps? Combien de conduites pour aller? 5 heures de conduite, aller-retour. 2h30 pour aller à DC. 2 heures pour venir. Vous pensez que c'est pour des biens où je suis parti? Mais tout ça pour le bien du pays. Elle a celui d'aller est venue ici. Je me suis déplacé, je suis allé. J'ai reçu des insultes ici, du côté des gens du RPG. Mais je les ai raisonnés et ils ont compris. Et si vous, les gens n'essayent pas de vous raisonner ainsi, quand on est leader, là, on s'impose. Voilà, c'est ça la différence entre certains partis politiques. Quand on est responsable politique, on s'impose. On n'écoute pas les gauches-droites. C'est vous qui raisonnez les gens. C'est ce qui fait la différence entre les leaders. Mais un leader qui est émotionnel, qui doit prendre en compte les propos de tout le monde. Voilà, il y a ça, il y a ça. Non, un leader, il faut être à mesure de maîtriser la masse qui est derrière toi. Mais tu ne vas pas venir à cause d'un propos ou deux propos et tu te laisses emporter. Non,
Donc, merci à tout le monde. Merci à Sadio Bobo Balde, merci à vous. Merci à Mohamed Chérif. Il ne faut même pas répondre à ces gens-là, mon frère. Voilà. Sayon Taramake, merci à vous. Ibrahim Fanta Diallo, merci à vous. Merci à Kondé Adama. Parce que on fait tout ça là pour que ce pays aille de l'avant, mais il y a des gens qui ne comprennent pas. Alpha Ouma Balbe, merci mon frère. Ayuba Kourouma, merci à vous. Semaba, merci. Si vous pensez que c'est un groupe qui pourra faire partie, Mamadi, vous voyez à chaque fois quand on parle de l'Union, UFDG, UFR, hein? RPG, c'est là qu'ils tremblent. Ils le savent, que tu le veuilles ou pas. Le poids de El Hassan Oudale, c'est connu de tous. Le RPG, Sidia, c'est connu. Mais à chaque fois que ces trois-là décident de faire quelque chose, ces bandits-là essayent de diviser. On se sert des faibles d'esprit. Ahmed Keita, quand je ne me fatigue pas, c'est ton père qui paye ma maison. C'est ton père qui... Ou c'est toi qui viens ici me donner de l'énergie. Les bandits là ne se fatiguent pas, les bêtises qu'ils sont en train de faire aujourd'hui là. Le funérail de la première dame, ces bandits là. Tu n'as pas été les dire d'arrêter. Allez, Nafi Groupoulou, Soutilalou, Ibralou Yelako, Alte, ils sont animés seulement, l'esprit communautaire. Hein, Mamadi, on a pouvoir les. Ni moi, Toroni, bi, Amman Kal le Toroni, Nkolan Kal le Toroni, Allah Fisilom Baliaoui, Allez de Bois là. Donc, merci à vous. Abaka Balde, merci à tout le monde. Voilà, je vais vous laisser. Sekouba Solange Dine Diakité, merci à vous. Kouria, la naturelle Condé, merci. À la matière de maintenant, nous tous qu'on veut, le départ de ces bandits, de ces narcos qui sont là aujourd'hui, en train de détruire la Guinée, en train de faire de n'importe quoi, il faut que ces bandits la dégagent. Bangoura Kali Baga, pourquoi tu ne me réponds pas? Moi, je n'ai pas vu de message. Il y avait presque 1000 personnes ici. Donc, je ne sais pas. Ces deux pages qui sont synchronisées, je ne peux pas voir tous les messages. Voilà. Donc, qu'au le son. Bon, regarde. Tu as plus de combien de personnes ici? Tu dis le son, si ce n'est pas pour m'embrouiller. Qu'au le son. Le son est bon. Ton téléphone, il faut sortir. Le son est bon, mon frère Bangoura. Heureusement que j'ai fini. Le son, tout va bien, le son. Ton téléphone, ils ont mis un système pour brouiller quand nous sommes en direct. Et quand tu rentres, que le son est parti, tu sors du direct, tu essayes de rentrer encore dans le direct. C'est comme ça. Voilà. Donc, ça n'a rien à voir avec le général. Sinon, toutes ces personnes ici dans le direct allaient se plaindre pour dire le son, le son. Ou si tu es venu juste pour pagailler, voilà, laisse tomber. Curtis Kamayen, merci à vous. Lucien Kagame, Paul Guinée, merci à vous. Suleiman Chérif, merci à vous. Mohamed Soumaoro, bon, regarde le maudit là. Moi, je suis à la maison là. Et quand là, dangade taou, net à l'oujabila, à l'oussou l'ombaliou, il est Mohamed Soumaoro. Galo konya kali. Et quand là, dangabe kalamo oko, ne dangate nekode, ne Philadelphia noli, Ibrahimo Manininga. Alou danga demenouni, menou ko amara supporte la. Nzine de bonne kononi, depuis nena vidéo ke la, ne akala bonne la. Mais akalou danga dembe ke la mouye, alou le okouma la souni tere, téléphone joli neboro, nye a yin nga like. Moi mon téléphone, T-Mobile neboro de, 200 et quelques, c'est que je paye. Voilà. Quelqu'un qui travaille pas là, hein? Atta la téléphone, atena sera la téléphone sera là. Attends, je vais te montrer. Dosarale ou Efrafina. Moi, c'est pas autre chose, c'est facture. Et chaque jour, je fais mes directs ici. Personne. Moi, c'est à Saralani. Personne. Et là, on a téléphoné Feniri là. Quand l'office de l'Ombalilou. Et on a dit que c'est Damaroué. Tu vois? Et bien, 218 dollars. Néo le Sarala, à chaque fin du mois, mon téléphone. Ça, c'est le salaire de quelqu'un en Guinée. C'est 218 que moi je paye. C'est pas
compagnie Asusu Asin Tabonta. Assurance ne fait pas là. Alors ici là, mon amanakam fola. Assurance médicale à Tibro. Inici mon amanakam fola. Parce que ma co, aïe Miriala co, aïe bese ne damaro, kane la di. Na la kabake la moigne, obéba. Adane, si je veux me comporter d'une manière, me warimu sur Facebook koka. Ateba. Vous voyez mes vidéos partout. Si moi, c'est à cause d'argent, je peux aujourd'hui interdire tout le monde à prendre mes images. YouTube, kafenaka, ni fengole koson. Alou danga de ou kenisi, manamana kanfola, yere l'om paliou. Mon mami ne kola ole, ne dosu de ne. Maybe si la ya manamana kanfola, naï ma yere lalo. Hein? Naï ma yere lalé. Naï ma molo, ay nyingalike. Jina aye, abonne famille du manon. Mais quand ici, manamana kanfola teno. Foy, ayati la, sunitere, adireti la. Chaque jour que Dieu fait, le général fait un direct. Aya manamana moko, ay se kanera besi. Manamana.